Salut la team, lorsqu'on parle de loyauté, d'amitié, de fidélité, de reconnaissance, on parle de Sadio Mané. Regardez ce joueur, Segbe Azanko, c'est un ami d'enfance de Sadio Mané. Ils ont joué ensemble à Génération Foot à Dakar, juste un an. Et après, Sadio Mané est allé signer au FC Metz en France. Quelques mois plus tard, Azanko Segbe a suivi Sadio Mané au FC Metz. Parce que les deux formaient le duo d'attaque de la Génération Foot à Dakar. Quand Désiré a retrouvé Sadio Mané au FC Metz, ils n'ont pas joué longtemps. Il arrive quand Sadio Mané est blessé. Mais après, Sadio Mané continue sa carrière au Red Bull Salzbourg. Désiré reste au FC Metz. Désiré a connu une carrière en dents de scie. Il a un peu été blessé. Mais Sadio Mané a connu cette carrière que nous tous on connaît, Liverpool, aujourd'hui il est au Bayern. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que Sadio Mané a signé au Bayern. Sadio! 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 Premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a pensé à son ami d'enfance. Sadio Mané, c'est un homme qu'il faut enseigner dans nos académies de football. Que ce soit le footballeur, la qualité de jeu, que ce soit l'homme en personne. Sadio Mané, c'est une personne qu'il faut enseigner dans nos académies de football. Ça, je le dis, c'est valable pour tous les Africains. En tant qu'Africain, on a besoin de gens comme ça. Désiré Segbe n'est pas Sénégalais comme Sadio Mané, mais il est béninois. Ça, c'est l'unité africaine. Quand on parle d'unité africaine, c'est de ça qu'on parle. Il est béninois, mais Sadio Mané a pensé à lui premièrement. Sadio Mané a signé au Bayern et dans son contrat, il a demandé à la direction, est-ce que vous pouvez m'aider en signant mon ami? C'est que le Bayern a accepté, ils ont fait passer Segbe au test. Segbe a fait 2 semaines de test. Après les 2 semaines, il a obtenu son contrat, il a signé à l'équipe B du Bayern. Voilà ce qu'on appelle la loyauté, la fidélité. Sadio Mané avance, il pense à son frère, il a ramené son frère. Quand je dis son frère, ce n'est pas son frère du même pays, mais son frère africain. On a besoin des valeurs comme ça. Aujourd'hui, on a des jeunes footballeurs. À peine ils ont signé dans un club de deuxième division en Afrique encore, mais ils se prennent la tête. Ils coupent les ponts avec leurs amis, parfois même avec leur manager. Le football, c'est un monde très compliqué. Pour un petit contrat, vous allez voir quelqu'un qui a coupé les ponts avec toute sa famille même. Ses amis ne causent plus avec ses amis. Mais voilà un modèle qu'il faut copier. Sadio Mané ne peut qu'avancer. Avec cette humilité, il ne peut qu'avancer. Il ne peut rien rencontrer de mauvais dans sa carrière. Et cette attitude, copier le bon exemple chez cet homme. Que ce soit footballistiquement parlant, Sadio Mané aujourd'hui, s'il n'était pas noir, je suis sûr que Sadio Mané pouvait avoir un ballon d'or. Mais il est noir, ça on connaît. Comme d'autres, Didier Drogba, Samuel Eto'o, qui n'ont pas pu arriver au sommet du ballon d'or parce qu'ils sont noirs. Mais ce que je veux faire comprendre aujourd'hui, c'est l'humilité de cet homme. Un homme qui n'oublie pas d'où il vient. À chaque fois, on voit, il embrasse dans les rues ses amis d'enfance. À chaque fois, ça se voit. Les footballeurs, les jeunes footballeurs d'aujourd'hui, copiez ce modèle si vous voulez aller loin. Voilà un exemple, copiez ce modèle. Regardez l'exemple, le modèle de vie de Sadio Mané. Copiez ce modèle pour avancer. Laissez l'orgueil. L'orgueil ne vous avance pas en tant que footballeur. L'orgueil ne vous aide pas. Voici un modèle à copier et à enseigner dans nos académies de football. Allez la famille, on se prend à la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné les gars, abonnez-vous et partagez toujours les vidéos. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao! We'll be right back.